L'exposition 14-18, La guerre et après, Autodix et ses contemporains, c'est une exposition dans laquelle on va trouver un ensemble de gravures, de dessins, mais aussi de livres illustrés qui ont été réalisés par des artistes, soit qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui sont allés au front, des artistes engagés au front, et qui ont illustré ce qu'ils ont vécu au front, soit des artistes qui n'ont pas fait la guerre, mais qui ont vécu quand même cette période, qui ont eu des témoignages de la guerre, et qui ont présenté leur vision de la guerre, et surtout un engagement presque pacifiste, finalement. Et c'est une exposition qui propose vraiment de voir, certes, une illustration de la guerre, mais aussi la guerre et après, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après cette première guerre, comment est la société à cette époque-là, comment les artistes la vivent. On présente plus de 300 œuvres, je le disais, gravures, dessins ou livres illustrés, et c'est une exposition qui présente une quinzaine d'artistes européens. On a des Français, des Allemands, des Belges, d'un petit peu partout. C'est très émotionnel, bien sûr. Pour moi, c'est une complète découverte. Je n'avais jamais réalisé qu'autant d'artistes avaient travaillé en graphisme sur la guerre de 14-18. Et c'est beaucoup de choses à assimiler d'un seul coup. C'est une exposition où il faudrait plus de temps que les 2 heures que j'ai pour l'assimiler complètement. Mais c'est une vraie découverte pour moi. L'exposition, évidemment, est organisée dans le cadre des commémorations de la Première Guerre. C'est une exposition qui a été aussi réalisée en partenariat avec le Kunstmuseum d'Abstadt. Abstadt, qui est une ville allemande jumelée avec celle de Chambéry. Donc, on a vraiment co-construit cette exposition. Et d'ailleurs, les œuvres d'Autodix de l'exposition viennent du Kunstmuseum d'Abstadt. Donc, c'était important pour nous d'illustrer cette période importante, de la commémorer pour la transmettre aux générations aussi futures. C'est notre rôle ici au musée. Et puis, c'était aussi l'idée de donner une autre image de la guerre, celle donnée par les artistes, tout simplement. Certes, on conserve des œuvres, on les présente, mais elles sont là pour être vues du public. Et donc, notre mission aussi, c'est de présenter ces œuvres, de les transmettre, donc par des visites, par des ateliers, par des conférences qui permettent aussi d'ouvrir le sujet de l'exposition, de l'amener aussi, soit de l'approfondir, mais aussi de l'amener vers d'autres sujets. Donc, pour nous, ça répond à l'une de nos missions, qui est de rendre accessibles les œuvres du musée au public le plus large.